Sable. Ouh, je peux me la faire ou quoi? C'est quoi ce bordel? Attends, attends, mais pourquoi il m'envoie là le curseur? Attends. Peut-être dû me tromper, hein? Il a raté. Non, mais je sais pas où je dois aller. Ça met A là-bas. Rideuse, piratage, qu'est-ce qui se passe? Ou vendre le jeu en avance. Ah bah voilà. Bah sur PC c'est du piratage. Moi je suis sur PlayStation 4. Sur PC il n'est pas disponible sur Steam, donc si tu l'achètes ça sert à rien. Donc ne l'achetez pas. Si vous l'achetez avant la sortie, bah c'est juste pour l'avoir avant et puis pas vous bouger le cul le jour de la sortie. Hein. Mais sinon ça ne servira strictement à rien. La personne qui me l'a distribué, elle m'a confirmé que sur PC c'était mort pour le moment. Donc c'était ce matin, donc si les choses ont évolué ou pas, j'en sais rien. Par contre, attendez, là qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, je suis perdu. C'était à la muraille, t'es passé juste à côté de lui. Ah ouais? Une question de... Attends, qu'est-ce que vous dites? Ok, ils sont pires. Ouais, ça sortira en match, sûr, surtout. Sur beaucoup de jeux, ils font ça. Pour un gain de temps et rendre accessible Day One direct. Ouais, voilà, ils font ça. Mais voilà, après, c'est ce que je dis. C'est pas comme si c'était Blizzard qui lançait un jeu, des trucs comme ça. Tu vois, quand c'est des tauliers comme EA Games ou Blizzard ou des trucs comme ça, bah là, je suis entièrement d'accord. Tu peux leur cracher à la gueule quand ils te sortent un jeu qui te vend de la peau du cul et qui te respecte pas. Mais quand c'est un. Attends, j'essaie de voir où je dois aller, Sergent Q, je te jure que j'arrive pas à trouver. Donc il débloque le jeu Day One. Ouais voilà. Bah ouais. Attends, tu vois là ils me disent d'aller là-bas. Il me dit c'était sur la muraille. Oh j'étais tout en haut. Avec un VPN on peut gagner un jour. Ouais exactement. Ouais avec les fuseaux horaires de la Nouvelle-Zélande. Enfin, j'essaie de trouver où je dois aller parce que là franchement... Non, la grosse muraille, pas les remparts. Ok, d'accord. Ok. La grosse muraille, donc la toute grosse où j'étais avant. Merci de votre aide, les gars. N'hésitez pas à me donner des coups de main parce que... Je suis perdu, hein. Et je fais de la merde, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est un stream convivial. Les viewers participent à m'aider quand je fais des choses aussi... aussi merdiques, comme le dit ma chérie. Ah, ok, c'était par là. Ok, d'accord. Exactement, il sort mardi, ma poule. Il sort mardi. Et voilà, mon point de vue, il en vaut la peine. Ça, c'est mon point de vue. Comme vous le voyez, je suis un petit streamer, hein, je suis pas un gros streamer. Je reçois de l'argent de personne. Pour moi, c'est un bon coup de cœur. Voilà. Après, si on compare aux derniers jeux qui sont sortis, par exemple comme Monster Hunter, qui est un jeu qui est peaufiné et fini, où là, t'as juste presque rien à dire de négatif, là, c'est des petits trucs à droite à gauche que tu sais qu'ils vont être corrigés, tu vois. Je pourrais monter la garde avec mes hommes sur les remparts. C'est une demande ou un ordre? Ben voilà. Disons une demande que j'aimerais devoir accepter. Bien sûr que j'accepte. Je sais pas alors si c'est que solo parce que c'était pas écrit. Excellent. Et ne t'en fais pas, mes hommes te relèveront tout à l'heure. Ouais, voilà, je suis d'accord avec toi, Nelvis. Je sais pas si j'ai vu juste un. Hein. Nelvis. Voilà, Nelvis. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est très honorable ta remarque parce que c'est un peu. Un peu comme tu dis pour les RPG occidentaux, sans bonus, avec un gameplay exigeant, sans lootbox, c'est ouf. Exactement. Ça me fait penser à Activision Blizzard, ce que tu viens de dire, je sais pas pourquoi, avec leur Call of Duty, leur truc comme ça. Mais ils avaient parlé de PVP, mais quand ils ont parlé de PVP, parce que quand tu vas lire certains articles, ils parlent de PVP, mais c'est quoi qu'ils voulaient dire dans PVP? Oui, le jeu est super lent. Le jeu est super lent. De toute façon, un jeu comme ça, il va être lent. Vous allez pas le... Un jeu comme ça va être comme Skyrim, 2 ans plus tard, tu vas toujours l'entendre parler, hein, tu peux être sûr. Après, il y a les mods, il y a tout. Donc, qu'est-ce que je suis censé faire? Attends, on va lire. Pas tout capter. Parce que je vous parle en même temps. Hein. Monter la garde sur les remparts. Ok. Ok. On va tourner en rond, quoi. Tu vois, là, du coup, tu vois, de nouveau, c'est un petit détail. Pour des gens, c'est insignifiant, mais pour moi, c'est fun. Tu montes la garde, eh ben, tu montes la garde pour de vrai. Tu passes, t'appuies pas sur un bouton en mode tu fais pause. Et là, si t'es un joueur un peu RP, tu te dis, ah, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose? Là, en même temps, ben, quand tu stream, tu peux parler avec les gens. Le truc dommage, c'est qu'ils ont enlevé la forge du jeu. Ah, ils ont enlevé la forge? Sérieusement, ils l'ont enlevé? Je savais pas, hein. Ça, tu me l'apprends. S'ils l'ont enlevé, j'en avais aucune idée. Mais il est prévu PC? Ah oui, il sera. Oui, bien sûr qu'il est prévu PC. Hein. Évidemment, il sort mardi. Hein. Il est PC, PS4 et puis Xbox. Je crois que là, je peux me jeter en bas. Bon, là, normalement, j'ai pas le droit de rentrer.
Vous êtes dans un lieu privé, ouais, voilà, j'ai pas le droit. Bien sûr qu'il n'y a pas eu sur C, c'est un jeu de base PC. C'est un jeu fait pour PC à la base, voilà. On dirait qu'il ne va rien se passer d'autre cette nuit. Tu peux te reposer contre le mur en attendant demain matin. Je vais te montrer comment on fait. D'accord, merci. Après, en termes de développement, quand vous dites c'est un jeu PC à la base, oui, c'est un jeu qui a été développé PC à la base, mais il a été développé à part pour les deux autres consoles. Il faut savoir qu'en termes de développement, quand tu développes, alors sur PC c'est plus compliqué parce que tu dois développer un jeu qui va fonctionner avec 1 milliard de cartes mères, 1 milliard de processeurs, 1 milliard de cartes graphiques, etc., etc. Mais après, le jeu est développé, c'est pas le même code de jeu qu'il y a sur... sur la PS4, sur la Xbox. Alors il y aura des similitudes, il y aura des choses qui sont très semblables, mais il y aura des parties d'encodage qui seront obligées d'être faites avec les consoles elles-mêmes. Donc c'est pas la même chose que quand tu prends un jeu console que tu l'émules sur PC, où là c'est différent. Là le jeu a été développé pour les trois supports avec leur partie de code intégrale qui leur correspondent. En termes de développement, c'est comme ça que ça fonctionne. Si, je stream encore du Hearthstone. D'ailleurs, tous les samedis en général, j'organise des tournois. Sauf que, étant donné que ces temps, il y a eu Monster Hunter, qu'il y a eu Dragon Ball Fighters, qu'il y a eu ça, et ben du coup, je passe un peu plus de temps sur ces jeux. Et ça me permet non seulement de développer ma chaîne, mais aussi de me faire une nouvelle communauté. Bah, franchement, il faut pas craquer. Moi, je pense que. Salut Gazerok, bienvenue à toi, mon ami. Je suppose que tu es belge avec le BE. Bienvenue à toi, mon ami belge. Namasté, ça fait super plaisir de t'accueillir. Donc j'ai toujours fait me faire le rempart là, ça se passe comment? Alors, quête. 8. Attaquer. Attendre jusqu'au lendemain matin. Ok, bon d'accord. Lendemain matin, c'est quoi? C'est ça? Merci beaucoup, Luanka. Merci beaucoup, c'est très généreux de ta part. Merci pour le follow. Ça me vient droit ici dans le cœur. C'est très sympa de ta part. Namaste à toi. J'espère que tu passeras des bons moments avec moi. Comme je le dis ici, c'est des streams conviviales, bonne ambiance, bon enfant, où on se détend, où je ne m'énerve jamais. On est juste là pour passer un bon moment avec les gens. Okay, merci infiniment. Bah, oui et non. Bah voilà, moi, sachez, je suis à l'université en études d'ingénieur. Je suis un master en ingénierie informatique. J'ai fait avant les études. Merci beaucoup, Botame, merci beaucoup. Du coup, en informatique. Non, il n'est pas encore sorti, le jeu est sur mardi. C'est quoi ce bordel? Bah, quand tu codes à un plus bas niveau, c'est tout simplement parce que tu codes sur un support qui sera le même. Une PS4 au Japon, une PS4 aux États-Unis, une PS4 ici, ça sera la même, quoi. Bon, de base, quand t'achètes le jeu, là, déjà, il y a un truc offert, je sais pas ce que c'est. Du coup, il se passe quoi, là? Attendez, j'ai pas suivi. Merci beaucoup pour les follow, vous êtes très généreux, c'est très gentil de votre part, les amis. Namasté à toutes les personnes qui me follow. Et j'espère que vous passerez un bon temps avec nous, n'hésitez pas à parler sur le chat. C'est un chat convivial, où on parle tous ensemble, où on se conseille. Merci à toutes les personnes qui sont en train de parler depuis tout à l'heure. Merci de tous vos conseils, de tous vos avis. Je trouve que c'est très enrichissant. Faut savoir que je suis pas une personne fermée, j'aime bien les choses qui sont dans les faits, on dira factuelles, j'aime bien les choses entre guillemets qui ne sont pas des rumeurs, qui sont plutôt un fait, mais surtout, merci beaucoup McFly01, merci beaucoup. Juste dire merci aux personnes, à Zongan, merci beaucoup à toi mon frère, c'est très sympa pour vos follow, namaste à vous tous. Et dans mon stream, je parle du principe... Salut à toi Jogolo01, merci pour vos follow, c'est très généreux de votre part. Je pars du principe que dans un débat, il faut toujours être respectueux, ne pas prendre les choses mal. Et c'est ce que j'apprécie actuellement depuis tout à l'heure, c'est qu'on parle de tout et de rien, sans en gardant l'esprit que toutes les idées sont bonnes. Et vraiment dans ma chaîne, c'est cet état d'esprit que je souhaite. Parce que quand on débat de certaines choses... Le but, c'est pas que j'ai raison, que t'aies raison, etc. C'est qu'on prenne un peu les idées de tout le monde et qu'on fasse une idée globale qui nous permettra de se faire un avis. Voilà, c'est un peu le but. Excusez-moi, hein, je tourne un peu en rond, mais en même temps, je tourne en rond dans le jeu, je tourne en rond dans ce que je dis, et puis en même temps, je dis merci aux personnes qui follow, c'est très généreux de votre part, ça me touche toujours dans le cœur.
Et je pense que le jeu va bien se vendre. Entre nous, je pense qu'il va bien se vendre. Ce sera comme Skyrim, au début, il n'y a pas trop de monde qui... Skyrim, les ventes ne se sont pas faites dès le début, hein. Se sont fait crescendo. Hein. Parce que Skyrim, par rapport à Oblivion, on va finir il a attiré... Non, oh, bon, je vais vous laisser ça parce que là, c'est ouf. De ses loyaux sujets. En effet, Robard. Sigismond du Luxembourg a le don peu commun de savoir rallier autrui à sa cause. Ouais, exactement, c'est une simulation médiévale. Mais vous risquez d'être surpris. Exactement. Je ne pense pas qu'il va nous envoyer ses mécréants aujourd'hui. Salutations, seigneur de Thalmberg. C'est lui. C'est la raclure qui a mené l'attaque de Scalis et tué mes parents. Ne sois pas idiot. Tu diras finir comme eux. Merci beaucoup, Fins83. Merci beaucoup à toi, mon frère. Namasté, ça me fait super plaisir ton follow. Merci infiniment, ma poule. Je représente Sigismond, du Luxembourg, roi de Hongrie et de Croatie, qui s'est résolu à frapper tous ceux qui perturbent l'harmonie sur les terres et à rétablir l'ordre pour son frère, le roi Venceslas, quatrième du nom. Ouais, de Vincher sont les dragons, c'est ça. En brûlant et en pillant les terres du roi. Mes salutations, seigneur Markvart. Les efforts du frère du roi pour rétablir l'ordre sur ces terres chaotiques sont manifestement louables. Mais il m'apparaît cependant que son armée et lui ont dû s'égarer. En tant que burgrave du château de Prague, je suis entièrement dévoué au roi. Et ici, à Thalmberg, la paix divine régnait jusqu'à votre arrivée. Alors, à quoi devons-nous l'honneur de votre visite ? Hier, Sa Majesté a pris des mesures contre l'ennemi du royaume, le seigneur Radzig Kobila, qui utilisait l'argent des mines de Scalis pour financer l'insurrection contre la couronne. Hélas, l'insurgé s'est échappé. Sauriez-vous, à tout hasard, noble seigneur, ils sont polis, hein. Où il pourrait bien se trouver ? Exactement, exactement, Gazeruk. Le seigneur Radzig dont vous parlez est le hetman du roi Ascalis. J'ai du mal à me l'imaginer se rebeller contre notre roi. Néanmoins, je puis vous assurer que le seigneur Radzig n'est pas à Thalmberg. Il serait bien sot de fuir d'un château qui plus est peu défendable pour un autre qui l'est moins encore. Mais peut-être voulez-vous constater que mon humble domaine n'est pas un obstacle à votre armée. Dois-je alors informer le roi que Radzig Kobila n'est pas à Thalmberg et que votre loyauté lui est acquise ? Évidemment. Le seigneur Radzig Kobila n'est pas présent et je n'ai nulle intention d'être mêlé à des affaires dont je ne saurais tirer un quelconque bénéfice. Fort bien, seigneur. Qu'il en soit ainsi. Je vais relayer vos mots au roi. Oh putain. Dans l'espoir qu'il soit aussi bien disposé que vous semblez l'être. Venir le bordel là. Hein. Ceux qui ont la conscience tranquille et la volonté ferme n'auront jamais rien à craindre. Même non, les voix sont vraiment bien. Coucou JCL Morphal, comment ça va ma biche? Tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir. Adieu, les voix elles sont vraiment sympas, hein, Incenelo. Elle est ouf, la VF elle est vraiment ouf. Je peux pas écouter la VO, mais sincèrement, moi je vais garder le jour VF parce qu'elle est vraiment ouf. Ça fait plaisir de te voir, JC le Morphal. Namaste à toi, mon frère. Vraiment, super sympa de te voir. J'espère que tu vas bien. Ah. À l'attaque! Ah, ils font demi-tour. Donc en gros c'est le roi en fait. Cool, trop d'MH, tu l'MH. Exactement ma poule. Et là c'est un Kingdom Come, il sort la semaine prochaine. Donc on profite hein, de l'avant-première et puis de le partager aux viewers. Et j'espère que tu vas bien ma biche. Non la BF elle est vraiment bien faite, Incinello. Vous rendre sur le chemin de la rendre. Ok, bon. C'est quoi, Nathalie? Elle a disparu.
Mais moi ça va bien mon gars, moi ça va toujours bien, en tout cas bienvenue à toutes les personnes qui débarquent sur mon stream. Sachez que je suis un streamer plutôt dans la catégorie ambiance, familiale, détendue, posée. Si vous rentrez du boulot et que vous êtes stressé, si vous venez de faire la fête et puis que vous voulez vous détendre. En tout cas c'est pas chez moi où vous trouvez de la rage, où vous trouverez... Non, c'est pas une bonne idée que je fasse ça. Où vous trouvez du manque de respect, rien de tout ça. En tout cas chez moi c'est vraiment un stream pour que vous posiez sur le canapé avec moi puis que vous partagiez des jeux vidéo avec moi. Soyez tous les bienvenus, n'hésitez pas à écrire sur le chat. Et un namaste à vous tous et merci de votre curiosité de venir sur mon stream. Ouais, 16 km carré la map. Ouais, mais, non mais regarde. Regarde déjà juste les décors. Quand je disais aux gens, non mais mec, le jeu, quand on parle des bugs, je suis désolé mec. Sur tout ce qui est visible déjà, et la qualité graphique, le jeu ne rame pas. Alors, je suis sur console, après on verra l'optimisation sur PC, mais regarde comme c'est magnifique. Et encore, quand on va se balader en forêt, ça va être encore plus beau. Il y aura les rivières, il y aura les animaux, il y aura tout. C'est... Non, mais faut dire ce qu'il y a, tu vois. C'est super beau, c'est fabuleux quand même. Il a chaud en même temps, pas un peu de lag, rien. Et ça, je te jure qu'en termes de développement, du lag, à moindre erreur, tu peux vite en avoir. Hein. Enfin, du ramage. Ah, voilà. Mais en fait, c'est des grandes maps qui sont extrêmement bien fournies. Elles sont bien fournies, les maps. Ah, je suis passé où là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cru que j'avais passé de l'autre côté de la barrière. Cassez bienvenue toutes les personnes qui débarquent, comme je le disais il y a 30 secondes. Ici, c'est une chaîne d'ambiance familiale, détente. N'hésitez pas à écrire sur le chat, c'est interactif. Si vous voulez savoir des choses, si vous voulez des questions sur le jeu, si vous voulez que je fasse quelque chose en particulier, ben, n'hésitez pas. On est là pour passer un bon moment ensemble. Soyez les bienvenus. Si vous voulez plus d'informations sur ma chaîne, juste en bas, vous avez ma petite grille horaire qui vous montrera un peu mes heures de stream. Je propose plusieurs panels de jeux. Sinon, n'hésitez pas à me follow pour me soutenir en passage. Et non seulement, plus de ça, vous aurez une petite notification email à chaque fois que je serai connecté. Alors, je dois me rendre à Scalis. Pourquoi Sigmund... On va faire un peu de dialogue pour gagner l'éloquence. Hein, parce que je n'ai pas le fait de parler, d'augmenter l'éloquence. À la guerre comme à la guerre. D'aucuns seigneurs décident d'appliquer leur loi et d'éliminer quiconque ne partage pas leur... Mais ça fait toujours plaisir de te voir, Gisèle, enfin, c'est toujours gentil ton petit passage. Je t'ai fait une grosse biche et puis merci à toi d'être venu, ma poule. Un morceau d'or fort utile aux alliés du roi Venceslas. Est-ce que tu sais s'il y a une sorte de gestion de château ou de territoire? Pas encore. Salut à toi, Samoti. Pas encore, ma poule, pas encore. Je sais pas ce qu'il dit, Daisy Scott. Qu'est-ce qui s'est passé à Kuttenberg? À Kuttenberg? Eh bien, je ne suis qu'un simple soldat. Mais le bon Dieu m'a doté d'oreilles et j'ai entendu des choses de la part du seigneur Divich. Pas de soucis, je vais te le faire avec plaisir, Massilia. Pas de soucis, mon frère. Pas de soucis, avec grand plaisir. Plutôt. Mais ce sont des mercenaires de Kuttenberg qui sont venus me voir, car je les connais depuis longtemps. Je vois. Écoute, ainsi vont les jeux de la haute aristocratie. Une clique de nobles s'est rebellée contre le roi Venceslas à Prague. Ce sont tous de riches gens qui, pour une raison ou une autre, se sont opposés au roi. Il ne fait aucun doute que Sigismund était mêlé à Jobst, le cousin de Venceslas. Très bien, très bien. Il lui a donné un coup de main pour enlever le roi. Alors, pourquoi avoir... Bienvenue à toi, mon cas. Merci encore pour ton follow. Namaste à toi. Merci infiniment. Pas de soucis. J'espère que tu passeras un beau moment. En tout cas, merci infiniment d'être passé sur stream. C'est avec plaisir que je t'accueillerai une seconde fois ou les prochaines fois que tu viendras. Merci beaucoup. Elle possède une position stratégique de fortification. Il redoutait les seigneurs insurgés pour nourrir ses troupes dans... Ouais, je dirais ça. Eh bien, parce qu'elle est située à un endroit stratégique et qu'elle a de bonnes fortifications. C'est une place forte défensive qui peut aussi servir à préparer des assauts et donc à prendre le contrôle de tout le territoire. Pas du tout. Le roi Charles, que Dieu lui accorde la gloire éternelle, a fait de Prague une véritable ville royale. Pendant que le roi Venceslas prenait sous son aile Kuttenberg. Après Prague, c'est la ville la plus importante de Bohême et du Saint-Empire romain tout entier. Celui qui gère l'argent de Kuttenberg est roi. Kuttenberg était donc du côté de Venceslas, du fait de sa protection. Voilà. Je comprends enfin. Lorsque Sigismund a emprisonné Venceslas et a pris le contrôle de Prague, Kuttenberg a commencé à dresser une armée contre lui. En attaquant la ville... Sigismund a fait d'une pierre deux coups. Il a renversé les alliés influents de Venceslas avant qu'ils ne se mettent en travers de son chemin, et il s'est énormément enrichi. D'où viennent ces coups, au juste?
Je n'en sais pas beaucoup sur eux, mis à part ce que le chambellan disait. Qu'ils sont venus en Hongrie depuis l'Est et s'y sont installés. Ce sont des barbares sans foi ni loi. Par le passé, un petit peu de dialogue, hein. Que les rois de Hongrie ne devaient pas les enrôler, car ils font un dialogue pour ce qu'il raconte. Apparemment, lorsqu'il s'agit de pouvoir et d'argent, l'honneur n'a plus cours. Et crois-moi, il s'agit toujours de pouvoir et d'argent. On va dire comme ça. Robard, je dois aller à Scalis. Qu'irais-tu faire là-bas? Sigismund a peut-être décampé. Sans que dans ce jeu, je vais passer pour un crétin auprès des PNJ. Ouais, j'aime les épées, mais je suis dans l'histoire. Un peu ça, ma poule. Il ne faut que j'aille enterrer mes parents. Laissez-moi réfléchir. À ma place, vous feriez de même. Laissez-moi partir avant que je me fâche. Mes parents sont morts sur place. Je ne vais pas les laisser aux chiens. Je dois les enterrer. Mon Dieu, échec. Échec. La vie pour ceux qui ont déjà perdu. Échec. Tu crois que c'est ce qu'ils souhaiteraient? Oublie ça. Bon, bah voilà. Bah voilà, on s'est fait niquer. Je pense que ça va être chaud, hein, quand même, à réussir toutes les phases de dialogue dans le jeu. Bon, même ce que tu dois faire. Les PNJ sont pas contents, tu leur tranches les une oreille. C'est un peu ça. Bon, du coup, c'est qui voulait voir la map? C'est Massalia. Voilà, tu vois, comme c'est super beau. Tous ces endroits, tu peux y aller, et puis à l'intérieur, c'est des belles forêts et tout. Donc, actuellement parlant, on est dans un donjon. Pour... Je vais pas te montrer ça tout de suite. Et après, on ira se balader dans les forêts. Regarde comme c'est bon. Oh, ça va, le niveau fin, ça tient quand même un moment, un petit peu, sans bouffer. Hein. Alors qu'on a rien... Oh, je vais manger, d'ailleurs, parce qu'on a dit que les aliments, ils périmaient. Alors, nourriture. Oignon, pomme, j'avais du poulet, carne, voilà, rôti de canard. J'ai mangé. Vous êtes repu. Quoi? Voilà, j'ai trop mangé. Du coup, là, si je regarde mes stats, nourriture, statistique, alimentation, 96. Super. Je joue un mercenaire expert en combat. Sauf pas la veuve et l'orphelin, moi, juste Thérèse, sinon faudra payer. Exactement. Vous avez craqué sur Thérèse, les gars. En tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui débarquent sur le stream. Je m'appelle Chop Chop, je propose des streams. Bonne ambiance familiale, détendue. À toutes les personnes qui y étaient déjà là, ils ont déjà entendu cette phrase, mais sachez qu'avec moi, ce sera toujours avec le sourire. Il n'y aura pas de jugement entre les gens. On est tous là pour passer un bon moment ensemble. Si vous avez une journée compliquée, que vous avez peut-être mal à la tête et que vous avez juste envie de vous marrer sur un stream. Avec une bonne communauté, ben, soyez les bienvenus chez moi. N'hésitez pas à regarder ma grille horaire si vous êtes intéressé à me suivre pour des futurs lives. Sinon, ben, vous pouvez lâcher un petit follow. Non seulement vous me soutenez, mais en plus de ça, vous recevrez une petite notification email à chaque fois que je serai.